been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. J'espère que vous allez bien. Je continue mes présentations de livres. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le Disney vilain méchant, mais le Bodoni méchant de chez Hachette Heroes. J'ai fait deux colos dans celui-ci. Le papier est bof, mais les illustrations sont magnifiques. Les Bodoni restent des valeurs sûres chez Hachette Rose. Celui-ci n'a pas vraiment eu de couac. Vous voyez, c'est là que c'est compliqué. Allez. Il y a toujours voilà, ces différences de traits. Vous avez des traits très très épais et à côté vous allez avoir une page avec des traits hyper fins. Là c'est pareil. Il est vraiment très très beau celui-là. Et je n'osais pas aller dedans. Et là dernièrement, bah voilà, j'ai enchaîné quasiment les deux colos. Ça a été un plaisir. Même si on a vraiment peur de rater. Et ils mettent les colos dans le bon sens là. Enfin, il mettait, parce que bon, ça a changé depuis. Le papier est bien épais, mais c'est la, enfin, c'est bizarre. Le crayon n'accroche pas très bien. Je sais pas. Moi, j'y vais avec de l'essence sans odeur. De toute façon, je suis cramé mes crayons, c'est pas la peine. Mais c'est dommage, on l'a dans tous les bouquins, on l'a la même position tout le temps, même. C'est dommage. Donc là il y a des protections plastiques parce que bah, c'est ma double page que j'ai faite. Voilà, je voulais que les deux pages matchent, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment respecté les couleurs de Disney. Hein, voilà. Jetez-moi des cailloux si vous voulez. Mais voilà. C'était surtout cette page-là qui me faisait peur et que j'avais peur de faire. Et oh, je la trouvais tellement, tellement, tellement belle. Et finalement, bah, je suis contente de l'avoir faite. Et j'aime bien mon rendu. J'aime bien celle-ci. Je sais pas si ce sera pas la prochaine que je ferai. Bon, là, j'y suis allée il y a pas très très longtemps. Donc, je vais peut-être commencer un autre livre en attendant. Thank you.
crème sera compliqué. Je l'avais jamais vu faire celui-ci. On a pas mal de gastro. Hein. Je sais pas dans quel Disney c'est. Sur aussi l'hardcore. Oh, Gaston, te revoilà déjà. Celui-là, je l'ai fait, mais dans un petit carré. Oui, c'est pareil, ça me dit rien. Donc voilà pour ce sublime livre. Bien, voilà. Je pense que c'est un des livres Disney à avoir dans sa collection. De toute manière, je pense que voilà, les Bodoni, ça reste une valeur sûre. Si vous voulez pas craquer pour les blocs, c'est sûr, les blocs, c'est, vous pouvez utiliser les marqueurs à colle dedans. C'est ça que c'est bien aussi. C'est ça que c'est bien. Je parle bien français aujourd'hui. C'est ce qui est bien avec les blocs. Voilà. Mais après, le format, ils sont quand même grands. Le papier est pas top dans les blocs. Mais enfin, voilà. Parce que oui, il y a des blocs, j'en ai beaucoup, mais j'y vais pas souvent. C'est ça le problème. Donc voilà, pour cette présentation de livres, il faut que je continue parce que j'en ai encore tellement. Mais voilà pour celui-ci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !